Salut à tous, c'est Axelie en dessous pour un nouvel épisode du Let's Play sur Pokémon Lune. Donc, on va tout de suite continuer. Donc, la dernière fois, on avait battu cette dresseuse. Donc, pour eux, quand j'ai juste vu la première partie de l'épisode 3, parce qu'en fait, à la fin de l'épisode, il y a l'épisode 3, pour qui n'ont pas vu, il y a eu un problème. Oh, putain, désolé, je suis... Bon, désolé pour la caméra qui arrêtait pas de secouer. Comme je voulais dire, ce qui savait pas. Putain, pourquoi j'arrête pas de secouer? Car je t'ignore comme ça. Je sais pas qu'est-ce que ma main a aujourd'hui. Bon, peut-être monter un peu le volume. Voilà. Pour bien entendre dans la vidéo. Comme je disais, ouais. Dans la première. L'épisode 3, il y avait eu un problème. Que j'avais pas effacé l'épisode 2 de mon téléphone portable, donc j'étais obligé de l'effacer pour pouvoir continuer. Hein. Mais bon, inquiétez-vous pas, je supprime pas mes vidéos de ma chaîne. En fait, ça m'a appris, parce que l'épisode 1, je l'avais effacé quand il était sur YouTube. Mais l'épisode 2, j'avais oublié. Donc ça me force à faire en sorte d'attendre que la vidéo est sortie sur YouTube et de l'effacer après. Parce que sinon, je peux pas faire des épisodes si longs. Peut-être même, je sais même pas si je pourrais faire la Ligue Pokémon en un coup. Donc en une vidéo. Je sais pas, je verrai si... Bah, je crois que je ferai la ligue en partie. Dans des vidéos séparées. Donc... ici, apparemment, des Pokémon qui m'intéressent à capturer. Il me semble ici, il y a des Pokémon Spectre. Donc... Ah, putain, ouais, il y a un cheveu. Non, juste une seconde. Voilà. C'est qu'il y avait un cheveu et on le voyait vraiment sur l'écran. Un feu forêt, c'est pas un Pokémon que je veux. Ben non, ça va pas recommencer. Non, Picasso. Allez, fuis. J'ai l'impression de me faire troller. Voilà, feu forêt peut nous faire perdre notre temps. Et ouais, le coquin de feu forêt veut vraiment quand. L'épisode dure que sur les combats Pokémon sauvages. Eh ben non. Il faut qu'on continue notre épisode. Allez, j'ai assez de problèmes à l'épisode 3. S'il te plaît, feu forêt, donne-nous pas trop de problèmes. Ouais, désolé, je crois. Ouais, pardon, j'ai eu comme un truc dans la gorge. C'est bon, là. Ouais, mais ça prend trop de temps. Allez, KO. D'accord, on a perdu au moins, je dirais au moins une minute pour ce combat. Donc, ouais, donc c'est pas de ma faute, hein. C'est la faute du feu forêt et de la vitesse de merde de Picasso. Mais pourtant, la vitesse de Picasso est pas si mal que ça. Il n'y a aucune raison pour ne pas fuir. Donc, Makuhita. Ouais, je me souviens, c'est Pokémon Soleil, je l'avais pris dans mon équipe. Mais je me souviens, je l'avais retiré pour la ligue, je crois, parce que je voulais faire une équipe avec des Pokémon de la 6ème génération. Donc je vous dis tout de suite, mon équipe dans mon Let's Play Pokémon Lune, ce sera que des Pokémon de la 6ème génération. Donc ça qui compris aussi les formes d'Alola. Donc voilà, c'est la seule indice que je vais vous donner sur mon équipe pour pas la spoiler. Dans l'équipe, il y aura que il y aura une forme d'Alola. Et le reste, c'est que des Pokémon de la 6. Pas de la 6, de la 7ème génération. Enfin, au clair que. Les formes d'Alola, quand pour des Pokémon de la 7ème génération. Au fond, que des Pokémon de la 7ème génération sur mon équipe. De toute façon, c'est Pokémon Soleil Lune, donc.
On va essayer de pas trop utiliser les Pokémon d'ancienne génération, ce serait sympa. Donc Topiqueur d'Alola. Il est quel type? Je crois qu'il est sol acier, je crois. Ah, il fait mal. Ouais, je croyais acier. Bon, ah oui, c'est vrai, il y a acier. Je sais pas, j'ai un petit doute. Donc, on va regarder. Il n'y a pas de dresseur. Non. C'est parfait. Il me semble qu'il y a des Fantominus, il y a des feux forêts. Et je suis pas sûr, peut-être des Nosferapti. Je croyais que ça dans cette zone. Bah là, ok, le cimetière. Un arbre. Bon, on va essayer de le mettre KO. Bon, je crois que Pic ça va pas mettre KO, mais. Bah ben voilà, Pic griffe. Ah, on met pas KO, il fait téléport. Ouais, t'aurais mieux fait de mettre KO parce que ça m'aurait remporté au moins l'XP. J'aurais aimé ça pour. Pardon pour les mains. J'aimerais au moins le faire monter de niveau en de retournant son Pokémon. Yas d'Alola. Allez, on va se manger. Pour qu'ils se souviennent à l'épisode. Épisode 2. Je crois qu'on avait un combat Pokémon sauvage, on n'avait pas pu fuir quand le Meowth. Parce que les dresseurs, je crois que c'était l'épisode 1 qu'on a eu le Meowth. Ou c'est l'épisode 2. Ah non, c'est l'épisode 2. Ah ouais, je m'en souviens, c'est l'épisode 2. Ah, c'est vrai. Épisode 1, on n'était même pas encore à l'école. Les dresseurs. En tout cas, il manque niveau 30. Niveau 13, pardon. Ultrason. C'est combien ça? Ah, juste 55 précision. On va pas la prendre. Ouais. Je suis pas du genre à donner des attaques qui ont pas beaucoup de précision à mes Pokémon. Moi, faut qu'il y ait au moins minimum 70 de précision. Voilà. Vraiment 70, c'est le minimum. On va retourner au centre Pokémon. Donc, bon, le centre Pokémon y est proche, donc. Bon, voilà. Bon, épisode 4, hein. Je crois, j'ai dit au début que c'était l'épisode 4, je crois. Hein. Je sais plus si j'ai dit que c'était l'épisode 4 au début de la vidéo. Mais voilà, donc. Donc j'espère que vous appréciez mes vidéos, en tout cas. Vous m'avez pas encore laissé de commentaires. Ou vous avez pas encore simplement. Bah, je crois que j'ai pas eu. Bah, je sais pas, j'ai. En tout cas, j'ai juste regardé si j'ai eu des commentaires ou pas, j'en ai pas eu d'autres. Donc je sais pas encore si je dois lire les dialogues ou pas. Donc pour l'instant, je crois que je vais les lire. Donc je veux dire, parfois c'est des dialogues genre trop longs, qui peuvent nous faire perdre beaucoup de minutes, bah, beaucoup de temps simplement dans la vidéo. J'essaierai de la skipper le plus possible et de vous résumer. Je suis allé chez le meilleur coiffeur du coin. Je crois qu'il m'a loupé. Ah, donc le coiffeur du coin est pas si bon que ça. Je vais parler à lui. Et toi, tu as un Pokédex? Tiens, prends ces faibles balls. De faibles balls, bon. Et genre, il voulait dire des faibles balls. Il voulait juste en donner une, mais il voulait dire des, donc. Voilà, on en donne deux à la place. On va en donner deux. Bon. Je crois qu'il y avait une maison. Ici, ouais, une maison. Ah ouais, je connais, c'est la maison de Guzma, je crois. Je crois que c'est elle de Guzma. Ouais, le méchant.
Mais le chef. Putain, déjà 10 minutes et j'ai rien foutu. Non, mais sérieusement. C'est genre. Non, ça c'est. C'est à cause du feu forêt, ça. Le fait qu'il soit déjà 10 minutes et on n'a rien fait encore. Simplement, j'aurais pu faire une ellipse pour aller au centre Pokémon. Mais bon. Donc, un combat contre un gamin. Non, le petit. Ah non, c'est vrai, les gamins, c'est l'autre. Je vais replacer comme ça. Ouais, mais comme ça, je trempe des mains, je sais pas pourquoi. Je comprends vraiment pas pourquoi je trempe des mains. Désolé encore pour... Ah voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais faire Flamèche. Allez, Flamiaou. Ouais, Flamiaou, il est très puissant. On va faire Griff. Ouais, Picasso, pas Picasso, Piafabec. Ah bah ouais. Piafabec, bah, commence par un P. Comme Picasso commence par un P. Ils sont tous les deux type normal et vol. Coïncidence? Je le pense. Lol. Et ça rime en plus, hein. D'accord, quoi. Pas quoi. Cas d'oiseau nous demande d'aller par là. On va y aller. Il y a la Team Skull, un truc comme ça, je crois, ici. Ah ouais, la Team Skull. Team Skull. J'adore les musiques de la Team Skull, c'est genre. Il y a des. C'est genre, ils ont des paroles dans les chansons. Bah, dans les musiques. Désolé encore pour bouger la caméra tout le temps. Ouf, tes bêtes sont bien pourries, l'ami. T'inquiète, la Team Skull, tu vas t'en débarrasser. À la Team Skull, on est trop frais. Plus encore que tous les baies. Pique pas ta crise pour quelques baies cerises. Laisse-moi pécho ta bête à chat, Poto. Ils sont pour les Pokémon, sûrement pas pour des voyous comme vous. Ah d'accord, c'est le mec qui parle. Pas pour des voyous comme vous. Et le vieux. On pèse plus que des Pokémon, tonton. Alors tu vas nous respecter, ouf. Pourquoi j'ai la difficulté à tenir mon téléphone portable aujourd'hui? Comme ça, je pense que ça va aller. Ouais, mais c'est mon petit doigt là, qui se fait type. Voilà. Quoi? Qu'est-ce que tu regardes, toi? T'as un problème? Mais je crois trop pas encore toi. T'en dis quoi? On s'y frotte ou pas? Il nous a mis la misère au port. Mais il peut pas toujours avoir de la chance. Merci, petit. Tu ne manques pas de courage. Mais t'en fais pas, c'est pour rien de la Team Skull. À bois fort. Ils n'ont rien dans le ventre. Ne perds pas ton temps avec ces bêtises et poursuis ton tour d'Izzy tranquillement. Hein, j'ai mal entendu là. Tu nous traites de loser, c'est ça. C'est ça. Putain, désolé. Putain, je crois que c'est vraiment un. Je crois que j'ai vraiment un truc dans mes doigts, c'est pas possible. Toi, tu bouges pas ou va te raquer. Les Pokémon en plus des bêtes, t'entends? On va te montrer que c'est le boss du quartier. Le boss du quartier? C'est moi. C'est genre le mec. Qu'est-ce que j'ai dans les mains? Putain, pourtant je la tenais comme ça. Et... Dans les trois vidéos. Putain, j'ai fait quatre vidéos. Trois à peu près de 30 minutes et une de 5 minutes et pour. Donc, je fais en tout. À peu près 95 minutes à cette position et pourtant je m'étais pas fatigué. Mais bon, je les avais pas tourné toutes ces vidéos la même journée. Les seules vidéos j'avais les deux vidéos les, bah, les deux seules deux vidéos que j'avais tourné dans la même journée, c'était l'épisode 3 et le problème qu'avait eu avec l'épisode 3, mais après le reste c'était tout des jours différents. Voilà, comme je vous avais dit, au moins un épisode par semaine. Il peut en avoir plusieurs par semaine. Mais je me force au moins un par semaine.
Mais peut-être dans les vacances, parfois, il n'y aura pas des vidéos. Ou peut-être, je sais pas, donc on verra. Voilà, donc, je sais pas s'il faut que je lis les dialogues ou pas. Parfois, je lis, parfois, je lis pas. Ou simplement, je les lis à peu près peut-être aux 15 premières minutes de la vidéo. Après, je ne les lis plus. Donc, ici, il y a des baies, donc on va les prendre. Une baie en rond. Une baie Kika. Une autre baie en rond. On va simplement dire deux baies en rond au lieu de baie en rond. Donc, on va regarder ici. Ah, il y a un objet. Poudre argentée. Poudre argentée, je crois que ça augmente la puissance des attaques insectes. Bon, parce que je m'y connais pas mal en stratégie Pokémon, bon, un peu, mais pas tant que ça. En Pokémon Go, ben, vu que j'avais manquant YouTube en plus, ben, je me suis dit, allez, je me fais un autre compte pour Pokémon Go. Et j'ai pris ça à la mèche au début. Bon. Ben, je sais pas si je vais toucher mon compte de ma chaîne YouTube sur Pokémon Go. Ben, je crois que si jamais j'ai à faire des vidéos sur Pokémon Go, ben, je crois que je ferai des vidéos sur mon compte. Mais en tout cas, mon personnage, je l'appelais Absolute 1. Parce que. Donc, Absolute 1 parce que j'ai essayé de l'appeler Absolute, mais il y avait déjà quelqu'un qui l'a pris. Hein, quelqu'un. Donc, même je crois qu'il l'avait pris, ça faisait longtemps. Que. Bah, de toute façon, je suis pas vraiment connu pour l'instant, donc. Je croyais qu'il n'y avait aucun moyen de. Non mais sérieux, qu'est-ce qu'il y a là maintenant aujourd'hui? Sérieusement. Je sais pas, c'est la première fois que j'ai ça avec ma caméra. J'ai jamais ressenti ça avant. Peut-être simplement il est fatigué maintenant. Il faudra vraiment que je me procure quelque chose pour tenir mon téléphone portable. J'essaie une nouvelle méthode. Comme ça, on va voir. Je le tiens avec mes deux mains. Là, ça va être plus difficile à. Ah ouais, merde, je crois que j'ai oublié de changer de Pokémon en première position. Ah bah non, je vais même pas one-shotter. Mais non, Flamiaou, tu es supposé le one-shotter. Et vous avez pas vu dans les commentaires aussi si je devais renommer une Pokémon ou pas. Donc. Ben, je crois principalement que je renommerai pas mes Pokémon, mais je renommerai peut-être le prochain Pokémon que je vais capturer. Juste le prochain. Ben, si jamais je vois que dans les commentaires vous voulez que je renomme mes Pokémon, ben, je renommerai tout. Mais en tout cas, je suis sûr, je vais renommer. Le plus. Au moins le prochain Pokémon. Et je sais déjà comment je vais l'appeler. Mais voilà, je vous dis pas, je vous spoil rien. Mais non, genre, j'ai juste fait un pas et boum, un Pokémon. Bambidou. Bambidou, il est insecte fait. Donc. Je peux tenter le Pic-Pic. Je peux tenter le mec KO, il est niveau 7. Voilà. Mon bidou, c'est un Pokémon facile à mettre KO. Ok, on va passer par ici. Hein. Est-ce qu'il y a l'autre? C'est bon, Pokémon. Wow, c'était genre, ouais, enfin, il n'y aura pas d'autre herbe. Finalement, ouais, il y a des. Ah bah non. Ah si. Ah non, le troll, c'est genre, moi, je veux contourner les hautes herbes, mais non, la meuf me bloque. Ouais, merci. Oh non. Pas un jour, ouais. Non. Ça, bon bah on va se venger, hein. On va se venger.
Oh, désolé pour la voix qui a changé pendant une seconde. On va se venger de ce forêt en le mettant KO. Ouais, tu nous as fait perdre au moins. En combien de temps il nous a fait perdre ce Feforez? À peu près une minute les vidéos. Peut-être même deux. Voilà, on se venge. Peut-être même une minute et 30 secondes. Voilà, on s'est vengé. On la contourne, c'est bon. Une super potion. Donc, qu'est-ce qui se passe? As-tu? Tu veux faire un combat? Plop, absolument, comment vend tes Pokémon? Ben, bof, bof, hein. Ils sont pas en pleine forme. Ah, les miens sont un peu patraques aussi. Putain. On a des difficultés là, mais non. Voilà, non. Je vais essayer de les tenir comme ça, voilà, ça fait du bien. Je sais vraiment pas ce que j'avais cette main. Voilà, la grotte verte du voyant. Elle nous explique que. Eh ben oui, on est arrivé à l'épreuve. Oui, c'est vrai, on est à l'épreuve. Oh putain, des. Putain, j'ai mis mon doigt sans le vouloir. Oh putain, ça va mal dans cet épisode. Hein. De 1, ma main. Au cas que je tiens d'habitude mon téléphone portable. A de la difficulté aujourd'hui. Et en plus, j'ai mis mon doigt vraiment au bon endroit pour bloquer l'écran. Bon, au moins, on n'était pas en train de faire quelque chose d'important. On va aller à la boutique Pokémon. Et on va regarder ce qu'on peut vendre. Si on peut rien vendre. Ici, on va vendre les gros champis. On va en vendre. On va en vendre les deux. Et les petits champis. Ben, on a qu'un. Voilà. On va regarder ceux qui vendent. Donc, lui, il vend quoi? Il vend. Ah, des super potions. Des accélérateurs, des flaboboles, des flaboboles. Ah, des pokéballs spéciales. On va acheter des super potions. On va voir comment on peut en acheter au maximum. 43. Je vous propose, on va en acheter. On va en acheter 17. Voilà, comme ça en fait 20. Désolé si j'ai pas vraiment la caméra centrée. Mais on va essayer de la mettre la plus proche possible de l'écran. Des Pokéballs. Les Pokéballs, ça peut toujours être utile pour capturer des Pokémon. On va en acheter 9. Des potions, ça peut être utile pour soigner les Pokémon. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On a acheté 13. Comme ça, on en a 20. Des antidotes. Bah, on va en acheter pour en avoir 10. Pareil pour les antiparas. Pareil pour les réveils. Antiboule, on en a déjà 10. Ça aussi, on a déjà 10. C'est bon. Je crois qu'on est prêt. En plus, qu'on a des rappels. Et normalement ce Pokémon Soleil ce Pokémon Soleil c'est des Mangloutons et des Arcoust à l'épreuve. Et sur Lune c'est des Rattata et des Rattata d'Alola. Des Pokémon de type normal ténèbre. Donc ils vont prendre x4 Amant et Clatrock. Et Clatrock Picasso A. Flamio, je crois, il pourrait s'en dé. Oh non, j'ai marché dans la perte sans le vouloir. Non, déjà, les combats. Quand les. Ouais, donc, je crois vraiment, faut vraiment que je tiens comme ça. Comme ça, ça fait rien de trembler. Picasso, déjà, il y a une attaque puissante pour les Pokémon de. Putain, j'ai écouté la parole. Les Pokémon de l'épreuve, voilà. Et Flamio, ben, je crois qu'il est assez fort pour l'épreuve, donc. Putain. On va essayer d'éviter les hauteurs pour pas perdre trop de temps. Et déjà, proche. Ah. Ben, il est près de 25 minutes déjà de vidéo. Bon, de toute façon, je me mets au moins maximum 40-45 minutes, mais bon.
J'essaie au moins de faire au moins 30-35 minutes. Donc, bon, normalement, j'ai assez de place pour faire au moins 30-35 minutes, même 40 minutes dans une vidéo. Si jamais j'ai. Il arrive le même problème qu'avec l'épisode 3, je sortirai pas de vidéo. Pour expliquer le problème, de toute façon, j'ai juste à regarder l'épisode. La vidéo qui explique le problème. Voilà, je vais pas expliquer 2-3 fois, sinon. Sinon, ça fait des vidéos pour rien. Bon, même si c'est gratuit pour faire des vidéos, voilà, déjà ça prend quand même du temps à faire. Donc. Même juste pour une vidéo de 5 minutes, ça a pris au moins une heure pour mettre sur YouTube. À peu près, hein. Juste pour 5 minutes. Et ça aurait été au moins 30 ou 40 minutes, j'aurais compris, mais pas 5 minutes aussi long. Voilà, Picasso monte niveau 14. Ça c'est bien. Niveau 14. Oh, Picasso évolue. Ah, je croyais qu'il évolue au moins niveau 15 ou 16, ou même 17. Ah non, ça c'est Starter qui est au niveau 17. Ah, c'est bien, il évolue. Picasso. Ah, Picléron. Ah non, c'est vrai, les Bazookan, c'est l'évolution finale. Donc. C'est pas mal, Picléron. Picléron. Voilà, dans le Pokédex, vous voyez le Picasso Shiny hein, que j'avais rencontré mais que j'avais pas capturé. Allez voir l'épisode 2 hein, si vous voulez savoir. Au début de l'épisode, je l'explique. Hein. Donc, si vous voulez savoir comment j'ai fait, regardez. Ah, déjà, il y a une meilleure vitesse. Ah, quand même beaucoup d'attaques. Il a gardé multi-coup. Bon, je crois, s'il a multi-coup dès le début, je crois qu'il le garde jusqu'à la fin. Multi-coup, c'est une bonne capacité spéciale pour Picasso. Ce qui me semble, il peut avoir Fury et Valgren, je crois donc. Il faut que je conserve ça. Ah, c'est ça. J'avais oublié si j'avais mis Flamia ou pas en premier. Voilà, parce que. C'est vrai que Flamia aussi s'approche de son évolution. Il lui manque 3 niveaux. Donc, voilà, la zone de l'épreuve c'est ici. Salut petite tête, le capitaine Alteo t'accueille en son domaine, voilà. À la grotte verdoyante. Mais fais bien attention, les Pokémon de la grotte verdoyante sont assez coriaces. Ouais, ouais, on va y aller. Faut entrer dans la grotte, voilà, on peut pas sortir. Ouais, on peut sortir, mais on doit recommencer depuis le début. L'épreuve. Désolé pour les doigts. Donc, la grotte verdoyante. Ah, déjà, on voit la Pokéball nous fêter. Il me semble que c'est casse-brique. Ouais, c'est genre, il nous donne direct une attaque pour affronter l'épreuve. Bienvenue à la grotte verdoyante. Alors, prêt pour l'épreuve du majestueux Captain Alteo, petite tête. Bon, laisse-moi te faire un topo. Ce qu'il faut que tu fasses. Ouais, ça, je sais. C'est. Affronter. Je sais plus quand. 3 Pokémon, je crois. C'est battre 3 Pokémon qui sont tapis au fond de leur tanière. Je crois dans les dialogues comme ça, je crois que je vais le tenir comme ça. Ensuite, tu fonces au fond de la grotte jusqu'à que tu vois un pied d'estag dessus. Tu trouveras le cristal Z. Prends-le. Pour réussir, il va falloir que tu sois en symbiose totale avec tes Pokémon. Crotor. Comme j'étais à la bonne, je vais encore te donner une info. À ma montée me perdra. C'est quoi? Il y a beaucoup de Pokémon redoutables dans cette grotte. Mais le plus terrible du lot, c'est le Pokémon dominant. Et toute l'épreuve, c'est sûrement lui qui va te faire baver le plus. Alors fais gaffe. Ouais, on va essayer de faire le plus possible de l'épreuve. Bon, début de l'épreuve.
Mais si possible, j'aimerais pouvoir au moins terminer l'épreuve dans cet épisode, on verra. Il y a déjà 30 minutes de vidéo. Allez. Je crois que en 5 minutes, c'est possible de finir l'épreuve. Peut-être pas 5 minutes, bon. Allez. Je me fixe au moins encore un petit 10 minutes. Voilà, au moins pour terminer l'épreuve. Bon, au pire. Bah, je au moins me rendre jusqu'au Pokémon Dominant. Voilà, au moins faire le Pokémon Dominant dans le prochain épisode, au pire. Donc voilà, je veux au moins battre les petits Pokémon qu'il faut battre avant. Voilà, Flamiaou monte niveau 15. Je vais prendre Crofeu. Crofeu, c'est bien Crofeu. On va enlever Re-engorgement. Ah merde, j'ai pas pris le temps de regarder, il est meilleur en physique ou en spécial, donc. Bah à la fin, il devient meilleur en physique. Ouais, encore deux à battre. Allez, on va regarder. Bah je crois qu'il devient meilleur en physique après. Ah donc, il est meilleur en spécial, mais je crois que quand il évolue, il va devenir meilleur en physique. Il me semble. Bon, on va prendre le temps de soigner Flamiaou. Les rangs et des dés. Ah c'est vrai, j'avais fait des combats, c'est vrai. Je vais pas retourner son Pokémon. Bon, alors. Bah au moins il y a éclat rock. Allez. Je parie que un seul éclat rock peut mettre KO un Rattata d'Alola. Donc, allez, éclat rock. Mais s'il ne met pas KO, il met au moins en rouge. Ouais, il a mis KO en un coup. Ça c'est bien. Putain mais... Ouais désolé. Non mais j'ai vraiment de la difficulté avec ma main. Pourtant c'est tout le temps avec elle que je tiens. Ma caméra. C'est genre aujourd'hui ma main voulait pas. Bon. Casse-bric. Est-ce que Pic... Merde. Est-ce que Picléran peut apprendre Casse-bric? Je crois que oui. Je suis pas sûr. Ah, ah putain j'ai cru que c'était Casse-bric. C'est genre what, Flamio peut l'apprendre? Mais je crois que Flinferno peut l'apprendre. Mais bon, on va enlever éclat rock pour Casse-bric. De toute façon, c'est logiquement c'est le même truc. C'est genre Casse-bric, éclat rock. Éclat rock détruit les rochers. Casse-bric, ben ça casse des briques. Donc, c'est... Allez, ce que je propose, on va au moins battre le dernier. Hein. Après, on battra le. Le Pokémon dominant dans le prochain épisode. Parce que je voudrais pas trop faire d'épisodes trop longues. Donc, il me semble faire ça. Ensuite, il faut faire comme ça.